Pour parler des pédagogies d'enquête, il est essentiel de comprendre ce que signifie la notion d'enquête elle-même. Ainsi, si on veut essayer de répondre à qu'est-ce qu'une enquête, euh, on voit bien qu'il n'y a pas une, une réponse univoque et qu'il faut réfléchir, euh, savoir ce que ça signifie pour telle institution, une école, une université, une administration, pour telle personne. Alors ça peut être un enseignant, un élève, euh, une étudiante, un chercheur, ou encore à quel moment de l'histoire de cette institution ou de cette personne. Et surtout, une notion importante, dans quel, dans quel type de situation l'enquête euh, est menée. Et donc, pour comprendre cette question qu'est-ce qu'une enquête, on va faire un bref détour historique pour voir que, ben, de, en fait, de tout temps, l'homme a enquêté pour savoir. Et ainsi, découvrir l'enquête dans une perspective historique est vraiment euh, importante pour, pour mettre en lumière toute la complexité de l'enquête et la multiplicité des situations dans lesquelles elle peut opérer. Et à un moment historique important, c'était le 19e siècle, où l'enquête est apparue et se développe de façon vraiment spectaculaire et devient un mode de compréhension privilégié pour comprendre tous les problèmes sociétaux qui se sont posés à ces à citoyens. Et il y a à ce moment-là une diversité de types d'enquêtes en fonction de, des objectifs, des principes et des conditions de mise en œuvre. En fait, on va enquêter pour, pour essayer de comprendre la complexité économique et sociale de cette époque-là. C'est pour ça que réfléchir aussi sur les enjeux et l'importance de l'enquête sociale est indispensable. On voit un réel poids de l'enquête sociale parce que on l'utilise pour l'observation de l'homme et des faits de société. Et on va voir que pour répondre à cette complexité du 19e siècle avec les problèmes d'industrialisation, les, les énormes problèmes sociaux, les questions de colonisation et la rencontre de différentes cultures, eh bien, beaucoup d'enquêtes seront menées. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on doit penser au fait que l'enquêteur en, lui-même, il, il est membre d'un groupe social, culturel et politique. L'enquête a des enjeux sociaux, économiques et juridiques, et surtout, et donc elle a des finalités qui, sont, qui peuvent être politiques, stratégiques ou de domination. L'enquête est donc un instrument, euh, un instrument pour comprendre et aussi pour mener des actions. C'est aussi au 19e siècle que l'enquête va devenir journalistique. Donc c'est une époque très importante et euh, qui va apparaître, l'enquête, sous des facettes euh, qui évidemment intéressent aussi le développement durable, parce qu'on va voir que c'est une époque qui va faire apparaître des, des questions d'enquête. Et il y a donc un parallèle à faire avec le développement durable qui est aussi... Euh, quand même un phénomène dans notre société qui suscite des questions qui vont être donc génératrices ou qui peuvent ou qui devraient être génératrices d'enquêtes. Alors je m'arrête encore sur un troisième type d'enquête qui est l'enquête scientifique. Alors cette enquête scientifique a un point important parce qu'elle est partie liée aux méthodologies de la recherche scientifique. Donc il y a une question de rigueur. Il y a aussi euh, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle a une fonction de questionnement. Elle est associée à une quête de vérité et de connaissance. Et en ça, en fait, il y a donc l'idée d'un apprentissage, on se rapproche de, de l'éducation. Et il faut par contre, pour pouvoir apprendre grâce à la procédure de l'enquête, il faut vraiment avoir le désir d'apprendre. Et c'est ça que va mettre en évidence toujours au XIXe siècle Charles Sanders Peirce, pour qui... Euh, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on pense déjà. Il faut vraiment avoir le désir d'apprendre et toujours s'efforcer de ne pas bloquer le chemin de l'enquête. C'est une phrase clé euh, dans cette procédure de l'enquête. Et c'est ça qu'on qui, qu va garder aussi à l'esprit quand on essaie de voir cette enquête, cette démarche de l'enquête en éducation en fait, on ne doit pas se, se limiter aux connaissances acquises. Donc ce que Pierce va mettre en évidence, c'est que pour pouvoir euh, mener une enquête, il faut dépasser ces connaissances acquises et euh, confronter aussi les théories à des pratiques réelles. Et donc c'est là qu'on rentre dans un, un, une autre facette encore de cette démarche de l'enquête. Et euh, on va tomber sur, une, sur la maxime qui est que pour clarifier les hypothèses scientifiques et les concepts, euh, on va observer... On doit observer leurs conséquences pratiques. C'est donc la maxime d'un courant bien connu, d'un courant de pensée qui s'appelle le pragmatisme, euh, qui émerge dans les années 1870 aux États-Unis et auquel participe euh, celui qu'on a déjà nommé euh, Charles Sanders Peirce, mais aussi euh, John Dewey, sur lequel je souhaiterais m'attarder un, un bref instant parce qu'il a vraiment euh, il a joué un rôle très important dans la diffusion de cette démarche d'enquête. Dans la société. Pour John Dewey, il y a vraiment une logique de, de l'enquête. Une enquête commence avec un problème, dans une situation indéterminée, et on va chercher par la démarche de l'enquête à trouver euh, des solutions. Donc on s'inscrit dans une euh, structure de, de recherche de solutions de problèmes. Et dans cette euh, démarche, John Dewey insiste sur le fait qu'on doit être dans un processus toujours renouvelé des questionnements. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que l'identification même d'une question concrète à laquelle il s'agit de répondre est déjà le signe que l'on progresse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Parce que, en fait, c'est très difficile de, de définir, d'identifier et même de formuler des questions. Et donc, ce, ce que John Dewey va dire, c'est que l'enquête scientifique peut nous guider dans tous les aspects de la vie. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il va préconiser que ça se fasse dans l'activité pratique. Il s'inscrit lui aussi hein, dans le pragmatisme, dans l'activité pratique. Et donc, euh, il insiste sur la richesse de l'expérience, sur l'expérimentation, sur le fait de vraiment euh, observer, expérimenter, inférer, raisonner et vérifier par rapport à des pratiques réelles. Donc John, Louis, John Dewey, avec cette idée, euh, voit réellement dans la démarche de l'enquête un idéal démocratique que chaque citoyen devrait euh, engager ou être capable d'engager. Et on voit là encore une fois un lien à faire avec notre question de l'éducation au développement durable. On voit l'intérêt d'apprendre aux, aux citoyens la capacité à enquêter, la capacité à questionner le monde, le monde qui nous entoure. Et donc, voilà l'enquête comme un enjeu dans la société, comme une, euh, ayant une fonction importante de vérification des concepts et des théories. Alors, cette vérification n'est pas vérifiée en concept ou une théorie en soi, mais dans des situations. Donc, toujours cette notion de situation qui est très importante. Situation dans laquelle les concepts et théories sont appelés à dire la vérité ou à apporter la certitude, mais euh, voir toute idée comme pouvant à tout moment être questionnée. Donc ça, c'est vraiment des idées forces de, de ce courant et de John Dewey en particulier. Et donc l'enquête, encore un élément à retenir, c'est qu'elle va s'adapter aux situations. Et elle s'adapte aux situations en fonction des institutions, des personnes et des enjeux. Et ce qui nous mène donc à voir que l'enquête peut prendre différentes formes et que ces formes peuvent être justifiées par les enjeux et les objectifs qui sont visés.